The title of the message is the deliverance of cursed feet. On va ouvrir dans le livre de Job chapitre 13 verset 27. We are going to open Job 13:27. Il y a quelque chose que Job a dit. There's something that Job said. Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes? Why put my feet? Pourquoi surveiller tous mes mouvements? Okay. Pourquoi tracer une limite à mes pas? Job 13, 27. Job 13, 27. Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths. Thou settest a print upon the heels of my feet. Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas? Nous allons aller dans Luc 8, 29. We are going to go to Luke 8, 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. When Jesus ordered the unclean spirit to come out of the man. Dont il s'était emparé depuis longtemps. The spirit had been there a long time. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. They were keeping him with chains on his hands and on his feet. Mais il rompait les liens et était entraîné par le démon dans les déserts. But he would break the chains and he would be taken to the desert. Les pieds, c'est notre organe de marche. Our legs are our organs avec lesquels nous marchons. We use our legs to walk. Voilà. Et les pieds aussi représentent la personne elle-même qui marche. And the feet represent the person that walks. Ça représente le marcheur. It represents the walker. Donc quand on te voit tes pieds, c'est toi qu'on voit. When they see your legs, they see you. Au sens figuré, in a figured sense, les pieds symbolisent la marche morale, la conduite morale. Your legs symbolize moral conduct. Voilà. Et la Bible nous met en garde en ce qui concerne les pieds. And the Bible is putting us on guard on things that concern the legs. Il y a des pièges qu'on peut mettre sur nos pieds. There are some traps that could be put on our feet. On doit faire attention à ça. So we have to be attentive on that. Il y a des filets qui peuvent être tendus sur nos pieds. There could be traps, there could be nets that our feet will get trapped in. La Bible nous conseille de prendre garde à nos pieds. The Bible advises us to take guard on our feet. Pour que nos pieds ne glissent pas. So that our legs, our feet will not slide. Pour que nos pieds ne chutent pas. So that we are not going to fall. Les pieds aussi révèlent spirituellement les dispositions de l'âme de la personne. Legs also spiritually reveal the spiritual disposition of the soul. Donc les pieds vont révéler ce que quelqu'un a dans son âme, quelqu'un a dans son cœur. The legs represent what somebody has in their soul, what somebody has in their heart. Retiens deux choses ici. Capture two Ça représente here. Le marcheur lui-même. It represents the walker himself. Ça représente les dispositions du cœur et de l'âme de cette personne qui marche là. It represents the disposition of the heart and the soul of that person. Amen. Amen. Les pieds aussi nous servent. Our legs also serve us. Bon, on le verra plus tard. Voilà. Donc les pieds, c'est l'organe de marche. So our legs are the organs we use to Alors walk. Quand les pieds marchent, when the legs are used for walking, ils se dirigent quelque part. It leads you somewhere. Ils vont quelque part. It goes somewhere. Pour accomplir une mission donnée. To accomplish a given mission. Donc quand quelqu'un vit avec ses pieds dans ta vie ou dans ta so maison, when somebody comes with his legs into your life or into your house, soit pour apporter une bonne ou une mauvaise nouvelle. It could be to bring good or bad news. Quelque chose de positif ou de négatif. Something good, something positive or negative. Une bénédiction ou une malédiction. It could be a blessing or a curse. Quelque chose qui va te profiter ou qui ne va pas te profiter. Something that could profit you or something that may not profit Donc, que ce you. Soit dans le physique, so whether it's physical, que ce soit dans le spirituel, or it's spiritual, c'est l'organe de la marche, it is the organ that we use in de walking, l'action, organ of action, de l'avancement, organ of advancement, et du progrès. An organ of et progress. Si spirituellement, alors tes pieds ont des problèmes, and if spiritually your legs have problems, alors dans le physique, ta vie aura des problèmes. So physically, your life will have problems. Tu continueras à bouger physiquement. You continue to move physically. Mais spirituellement, tu seras bloqué. But spiritually, you're blocked. Tu seras attaché. You are attached. Tu seras stagné. You are stagnant. Tu tourneras en rond. You're going around in circles. Sans progresser. Without progressing. Romains 10, 15 nous dit. Romans 10, 15 tells us. Qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. That beautiful are the feet of they that announce good news. Qu'ils sont beaux. That beautiful. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. And how shall they, that beautiful are the feet that preach the good news. Ésaïe 52, 7. Isaiah 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui publie la paix. De celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui publie le salut,
de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that said unto Zion, thy God reigneth. Donc quelqu'un peut entrer dans ta vie ou dans ta maison. Somebody can enter your life or into your house. Mais il vient avec les pieds de bonne nouvelle. But he can come with legs of good news. Il vient avec les pieds qui annoncent la paix. He comes with beautiful legs that announce peace. Qui vient avec le salut. He comes with beautiful legs that qui come dit, with salvation. Qui dit, oh, ton Dieu règne. He says, your God reigns. Quelqu'un qui vient avec les bénédictions. Somebody that comes with blessings. Si quelqu'un vient avec l'évangile de paix. If somebody comes with a gospel of peace. De salut. Salvation. De bonne nouvelle. Of good news. Si quelqu'un vient avec l'évangile de bonheur. If somebody comes with a gospel of goodness. Et qu'il entre dans ta vie avec. And he enters your life with that. La paix viendra dans ta vie. Peace will come into your le life. Bonheur viendra dans ta goodness vie. Will come into la your joie, life. Les bonnes choses aussi vont entrer. Joy and good things will also enter. Maintenant, si quelqu'un aussi vient dans ta maison. But if somebody comes into your avec house, l'évangile de malheur. With a bad news, des mauvaises choses. Bad things. Au lieu de la paix, des troubles. Instead of peace, trouble. Des perturbations. Perturbation. Au lieu de dire que ton Dieu règne. Instead of saying your God reigns. Ça va être que le diable règne. It will be that the devil reigns. Tu verras aussi que les mauvaises choses t'arriveront. You're going to see that bad things will come. Élève to ta you. Voix ce matin. Lift up your voice et dis, this Seigneur, morning. Que les mauvaises pieds quittent ma vie au nom de Jésus. I say, Lord, let evil legs get que out les of mauvais my pieds life. Quittent ma vie au nom de Jésus. Let ugly legs get out of my life today. Et que les bonnes choses commencent à m'arriver. Let good things begin to come to me. Il y a des bonnes personnes, lorsqu'elles entrent dans ta vie, les bonnes choses vont arriver. There are good people that when they enter your life, good things will begin to come into your les life. Les mauvaises personnes, lorsqu'elles entrent dans ta vie, tu vas voir que les mauvaises choses commencent à arriver dans ta vie, dans ta maison. Bad people, when they come into your life, you will see bad things will begin to come into your life and into your house. Il y a aussi les mauvaises personnes, lorsqu'elles quittent ta vie, tu verras que les bonnes choses vont recommencer à t'arriver. There are bad people that when they leave your life, you will see that good things will begin to come into your Amen. Life. Amen. Il ne faut pas jouer avec la notion des pieds. Don't joke with the notion of feet. Aujourd'hui, on est trop dans nos émotions, nous les chrétiens. Today we Christians are a lot in our emotions. Des fois, Dieu t'avertit. Sometimes God will warn you. Dieu te dit ne reçois pas telle personne chez toi. God will tell you not to receive this person in your oh, house. Oh non, c'est mon frère. Oh, where is my brother? Oh non, c'est mon père. Oh, this is my father. Oh non, c'est mon cousin. Oh, this is my cousin. Oh non, c'est ceci. Oh no, is this and that. Tu ne sais pas avec quel pied il entre dans ta maison. You don't know with what kind of legs they come into your tu house. Tu ne sais pas quelle mission on lui a donné. You don't know the kind of mission they tu are coming quelle nouvelle il est venu apporter dans ta vie. You don't know the kind of news they are bringing into your life. Et depuis que cette personne est là, comment ta vie est? And since that person is in your life, how is c'est your le life? Stress qui te donne chaque jour. The stress that person c'est is giving you. C'est le bavardage qui te donne chaque jour. It is headache that they are giving you. Alors every pose-toi day. La question. Ask yourself that question. Des fois Dieu veut nous épargner de beaucoup de choses. Sometimes God wants to save and deliver us from des many fois, things. Dieu te parle avant. Sometimes God speaks to you before. Mais non, c'est telle personne de ma famille. Oh, c'est well, telle personne. Well, this is my family oh, person. Oh, c'est telle. Oh, is this person? Des fois, dit, ah, c'est toi, vas-y. God will say, well, it's you. Peu de temps après, la personne commence à pleurer. After some time, you begin to cry. Je lui dis, mais Dieu t'avait dit. I'll say, but God warned you. Amen. 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 Allons dans Luc 1, 39. Let's go to Luke 1, 39. J'ai dit quoi, Luc 1? Yes. Luke 1, 39. 39. Luc 1, 39. Dans le même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. And Mary arose in those days and went into a hill country with haste into a city of Judah. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. And entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, and it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, son enfant tressaillit dans son sein. The baby leaped in her womb. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Elle s'écria d'une voix forte. And she spoke out with a loud voice. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. And said, blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me?
Parce que quand la voix de la salutation a frappé mon oreille, for lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in my ears, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. The baby leaped in my womb for joy. Voici des pieds qui sont partis pour entrer dans la maison d'Élisabeth. Look at legs that came into the house of Elizabeth. Dès qu'elle entre dans la maison d'Élisabeth, when she entered the house of Elizabeth, elle dit, tu es bénie entre les femmes. She said, you are blessed among all women. Et le fruit de ton sein est béni. And the fruit of your womb is blessed. Voilà, quelqu'un quand il entre chez toi dès la porte, il te donne les bénédictions. Look at somebody that when they come to you from the door, they are giving you blessings. Donc, tu vas entrer chez toi, ils vont seulement commencer à marcher, à regarder partout. Some people enter your house, they'll just begin to look and begin to analyze things and be making appearances. Dès la porte, au moins, tu es béni. From the door, she said, you are blessed. Elle n'a pas prié. She didn't pray. Tu es béni. She said, you are blessed. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? L'enfant a tressailli. The baby leaped. Et le Saint-Esprit est descendu sur Élisabeth. And the Holy Spirit filled. Les mauvais pieds avec qui tu marches chaque jour là, depuis qu'ils sont dans ta vie, est-ce qu'il y a même un goutte de Saint-Esprit qui est déjà descendu quand tu es en leur présence? The people with ugly legs in your life, since you've been walking with them, has there quel been est l'impact qu'ils ont apporté dans ta vie? Even a trace or even a drop. Depuis qu'ils sont là, est-ce que tu as déjà senti même un goutte de Saint-Esprit qui t'a visité? Since they have been in your life, have you even had an instinct or even a sentiment of the Holy Spirit in your life? Je parlais avec une femme de Dieu l'autre jour. I was speaking with a woman rien qu'au téléphone. Elle m'expliquait ses problèmes. She was explaining her problems. Au fur et à mesure me. Que ça passait. And I think it has elle m'a dit, oh femme de Dieu, depuis que nous parlons, that woman of God, oh, je sens une présence spoke, de Dieu qui est en train de me remplir. Feel the presence of God that has filled me. Elle dit, je sens, il y a une présence qui est en train de me remplir. I can feel a presence. J'étais lourde dans me. La prière. I was mais je sens, depuis qu'on parle, je since sens quelque chose speaking, qui est en train de bouger en moi. That is moving in me. J'ai arrêté ce que je parlais. I stopped what I was et j'ai commencé about, à prier. And I began to pray. Amen. Amen. Ce n'est pas que j'ai prié pour elle avant qu'elle a dit ça. It's not because I didn't pray for her before she started quand saying that. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, when you have the Holy Spirit in you, tu dois le transférer à d'autres you personnes. You have to transfer it to the other même si people. Même si c'est au téléphone, even même if si it's c'est on quelque telephone, chose, even if it's ils doivent savoir que cette they femme, il y a quelque chose de différent this en elle. Woman, there is something different in her. Et j'ai arrêté et on a seulement and commencé I stopped à prier. And we began to pray. Elisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Elizabeth was filled with the Holy voilà l'enfant Spirit. Aussi dans le sein qui a aussi tressailli. And the baby also in the womb began to leap for joy. Je me souviens l'ancienne Pascaline quand elle allait faire les échographies, chacun avait son diagnostic négatif qu'il donnait. I look at the elder Pascaline when she went to do echography. Wherever she went, each doctor had their own des kind fois, of passait toute une journée à l'hôpital. Sometimes she would spend the whole day in chacun the hospital. Il vient donner même des résultats que ce n'est pas ça. Sometimes they'll give results that are not even that correct. Et si le papa parlait à la petite. It is the father that was speaking to the little one. Le papa parlait souvent à la petite avant que sa mère aille à l'échographie. The father of the child spoke to the child even before dit, she Mama, went to the hospital. Il dit maman. She said, Mama, quand tu vas arriver là-bas. When you get there. Si c'est les méchants là encore qui vont venir. If it's the wicked ones, vont dire de négatif. That will come and look for what they will say tu negative. Tu te caches, hein? You hide yourself, okay? Elle faisait une journée à l'hôpital. J'ai dit, mais tu fais quoi? Elle dit que l'enfant ne veut pas se montrer. In the hospital, she said, elle dit que l'enfant ne veut pas se montrer. Donc quand il pète l'appareil, elle est comme ça là. So when they bring the apparatus, she's hiding. On lui dit, on ne peut pas te faire partie. She said, we cannot l'enfant, let you il faut go. Qu'elle soit comme ça. The child mais l'enfant écoutait la voix de son père. The child listened to the voice son père of dit her que father. Si ce sont les méchants, so her father cache-toi, said, hein. The wicked people, elle était comme ça. Hide yourself, she'll hide herself. Jusqu'à elle doit appeler son mari pour dire, libère l'enfant là que... On fasse l'échographie que je rentre à la maison. Said, parce que toute la journée, on n'arrive pas. Because the whole day we're not able to do a proper on veut la mesurer, on n'arrive pas. They want to measure her, they can't do it. Mais il lui dit, si ce sont des gentils, montre-toi. But et elle se montre. If it's the nice ones, expose yourself and she'll expose herself. Alléluia. Amen. Quand tu as les pieds oints. When you have anointed feet. Quand tu as des pieds de prière. When you have legs tu of prayer, entres dans la vie de quelqu'un. You enter into the tu entres dans la présence de quelqu'un. You enter into the c'est comme si of c'est someone. Le Seigneur lui-même qui est entré. It is like the Lord himself la présence entry. Du Seigneur va remplir the ta presence vie. Of God will fill la présence your life. Du Seigneur va remplir la maison de la personne. The presence of God will fill the house of that allons person. Dans Genèse chapitre 39. Let's go to Genesis 31. 39.
39. Voici Joseph chez Potiphar. Look at Joseph in Potiphar's house. La Bible dit verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Joseph 39 verse Genesis 39:2 and the Lord was with Joseph and he was prosperous man and he il was habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. And he was in the house of his master the Egyptian. Écoute bien, son maître vit que l'Éternel était avec lui. And his master saw that the Lord was with him. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. And Joseph found grace in his sight. Qu'il l'employa à son service. And he served him. L'établit sur sa maison. And he made him overseer lui confia over his house. Tout ce qu'il possédait. And all that he had, he put la Bible into dit, his hand. Joseph était beau de taille et beau de figure. The Bible says that and it came to pass that Joseph had from time to time as overseer he had beautiful looks. Quand est-ce que la maison de Potiphar a commencé à prospérer? When did the house of Potiphar began to quand prosper? Quand est-ce que la maison de Potiphar a commencé à être bénie? When did the house of Potiphar became to be blessed? Quand les pieds de Joseph sont entrés dans sa maison. It was when the legs of Joseph entered his élève house. Élève encore ta voix ce matin. Lift up your dis, voice. Seigneur, envoie-moi les pieds bénis dans ma vie. Say, Lord, send beautiful feet. Envoie-moi les pieds bénis dans ma vie. Send beautiful feet. Et enlève les pieds maudits de ma vie. And take away cursed feet. Enlève les pieds maudits de ma vie. Take away ugly legs from my life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Il y a des gens quand ils entrent dans ta vie commence à prospérer. There are people that when they enter your life begins to prosper. Il y a des gens quand ils entrent ici à la cité de David, on voit que il y a quelque chose de plus qu'ils apportent. There are people that when they enter into the city of David, we see that they bring in something. Il y a des gens quand ils entrent dans la vie de tes enfants, tu vois qu'il y a quelque chose de positif qu'ils apportent. There are people that when they enter into the life of your children, you see that there is something they bring. Il était un esclave. He was a slave. Mais Dieu était avec lui. But God was with him. Il avait la crainte de Dieu. He had the fear of God. Il avait sa communion avec Dieu. He had his communion with God. Quand il est entré chez Potiphar, when he entered into Potiphar's la maison house, de Potiphar a commencé à prospérer. The house of Potiphar began to be prosperous. Allons dans Acte 5 verset 9. Let's go to Acts 5 verse 9. Il est temps que l'église arrête les émotions. There is time for the church to stop being in emotion. Et tu commences à pleurer des pleurs inutiles que Dieu n'a pas envie que tu passes ta vie à pleurer. Useless cry that you're spending your time crying for no need. Pour des mauvaises personnes qui sont entrées dans ta vie. For bad people that have entered et souvent into Dieu your life. T'a averti. And there are times that God didn't mais tu as warn utilisé you, tes émotions. But you use your emotions. Et le diable reste diable. Hein? And God, the devil always peu importe the devil. Ce que tu lui donnes, il s'en fout. No matter what you give him, he doesn't care. S'il doit détruire, il va détruire if le temps he has venu. To destroy, he will destroy. Et il passera toujours par les personnes. And he's going to go through people. Verset 3, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» et que tu aies retenu une partie du prix des champs. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Vas-y. Good. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Why hast thou conceived this thing in thy heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. 3 heures après, sa femme entra. And great fear came on all. And 3 hours later, sans savoir ce qui était arrivé. Without knowing what had happened. Pierre dit, dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Elle dit, oui, c'est à ce prix-là. And Peter asked her, at what price did you sell the land? And she said, yes, that was the price. Elle dit, ah, ok. And he said, oh, okay. Alors, comment vous vous êtes alors accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? And how have both of you agreed to tempt the Spirit of the Lord? Écoute bien. Listen voici ceux qui ont enseveli ton mari. Look at those that buried your husband. Sont à la porte. They are at the door. Et ils t'emporteront. They will carry you au moment même, elle tomba au pied de l'apôtre. And she too, she fell at the feet of the apostle. Et elle mourut. And she died. Et les jeunes gens entraient, la portaient et l'ensevelirent. Les portes, les pieds qui étaient à la porte. So the legs that were at the door. C'était les pieds qui annonçaient la mort. It was the legs that were announcing c'était death. Les pieds avec un messager de mort. It was the legs that were avec un bruit de mort. With the sound of death. Et elle est tombée, elle a expiré. And she fell and she gave up the ghost. Souvenez-vous, je ne vais pas retourner lire l'histoire des 4 lépreux que j'ai prêché dernièrement. Remember, I don't want to repeat the story, the 4 lepers that I preached about. 4 pieds lépreux.
four leprous malades, legs, sick, infirmes, sick with écorchés, legs that were mais deformed, parce qu'ils avaient la foi. But because they had faith. Parce qu'ils se sont donnés pour que Dieu les utilise. Because they gave up themselves that God could use pour que them. La parole prophétique que Élisée avait sortie qui planait dans l'air rencontre leur foi. So that the prophetic word that Elisha had proclaimed should meet their faith and be accomplished. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? De ces pieds faibles. These weak legs. Malades. Sick legs. Rejeté. Rejected. La Bible dit quoi? The Bible says le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. The Lord made that these feet were heard in the camp of the Syrians. Un bruit de chars. A sound of chariots. Un bruit de chevaux. A sound of le horses. Bruit d'une grande armée. The sound of a great army. Ils ont dit non. They said no. Le roi d'Israël a pris les rois des Éthiens, les rois des Égyptiens pour nous attaquer. The king of Egypt, the king of Israel has taken the army of et ils ont pris la fuite. Nations to come and attack us and they began to run ils away. Ils ont tout abandonné. They abandoned everything. Élève encore ta voix ce matin. Lift up your voice this et dis Seigneur à partir d'aujourd'hui. And say, Lord, beginning from today, quand je marcherai. When I walk. Que ce soit physiquement. Whether physically. Que ce soit spirituellement. Whether spiritually. Dans le camp de l'ennemi. In the camp of the enemy. Fais entendre le pas de mes pieds. Let them hear the sound of my comme legs. Comme le bruit d'une grande armée. Just like the sound comme of le bruit d'une army. Grande armée. Just like the sound of et accorde-moi la victoire. And give me victory. Que mes ennemis prennent la fuite devant so moi. That my enemies will run away que ceux qui cherchent ma vie. That those who look for my life. Que l'armée qui est envoyée contre moi. That the army they sent against me. Au son du pas de mes pieds. At the sound of this back ils entendent un bruit de chars. Let them hear the sound of qu'ils entendent un bruit de chevaux. Let them hear sound of horses. Qu'ils entendent un bruit d'une grande armée. Let them hear the sound of a great army. Et qu'ils s'enfuient par sept chemins au nom let de Jésus. Élève ta voix et prie ce matin. Qu'ils s'enfuient par sept chemins. Qu'ils s'enfuient par sept chemins. Ceux qui cherchent ma vie. Ceux qui veulent me tuer. L'armée du diable. L'armée du diable. Vous vous enfuyez ce matin. Par sept chemins. La Bible dit vous viendrez par un chemin. Vous prendrez la fuite. Vous qui cherchez mes enfants. Vous qui cherchez mon mari. Vous qui cherchez la cité de David. Entendez le bruit de nos pas ce matin. Comme le bruit d'une grande armée. Je vous commande de prendre la fuite. Je vous commande de fuir. Au son de mes pas. Allez vas-y. Au son de mes pas. Au son de mes pas. Au son de mes pas. Oh Seigneur. Dans le monde spirituel. Amplifie le bruit de mes pas. Amplifie le bruit de mes pas. Amplifie le bruit de mes pas. Amplify the sound of my steps. Au nom de Jésus. In Jesus name. Pourquoi? Why? Envoyez-moi Proverbe 6 verset 13. Send me Proverbs 6:13. Pourquoi? Why? Proverbe 6 verset 13. Proverbs 6:13. Qu'est-ce qu'il dit? What il cligne des yeux. Il parle du pied. Il fait des signes avec les doigts. He winked with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers. Est-ce qu'il a dit qu'il marche avec les pieds ici? Did he say he walks with his est-ce legs? Est-ce qu'ici on a dit quoi avec les pieds? Here, what did they talk about the qu'est-ce legs? Qu'est-ce que la Bible a dit? What does the Bible say? Il ouais. What does the c'est Bible quoi? Tell us in Proverbs 6:13? Proverbs 6:13, what does the Bible say about feet here? Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que les pieds font ici? What do the legs do here? Est-ce que les pieds ont la bouche pour parler? Do legs have mouth to speak? Qu'est-ce que tu comprends donc par ça? What do you understand by that? Que les pieds ont une mission. That the legs have a mission. Elles entrent dans ta vie. They enter your life. Elles entrent dans ta maison. They enter your house. Il y a quelque chose qu'elles viennent accomplir. There's something they have come to accomplish. Ils parlent avec les pieds. They speak with their legs. Les pieds parlent. Legs speak. Les pieds représentent la personne qui vient. Feet represent the les person pieds représentent l'amour ou la haine qu'il a dans son cœur. The legs represent the love or the hate they have in their heart. Les pieds représentent la méchanceté ou l'amour qu'il a dans son cœur. Legs represent the hatred or the love that they have tu in their heart. Tu ne le verras pas tout de suite. You may not see it mais avec le temps, tu verras. But with time, you will que see. Que ces pieds qui étaient entrés dans ta vie. That the legs that entered your life. C'était des pieds qui étaient venus parler la dépression, le stress, pour venir te rendre fou ou folle. To make you become a fool. Ce ne sera pas ta portion au it nom will de not Jésus. Be your portion in Jesus' name. Ton pied maudit quittera ta a vie au nom de Jésus. Leg that comes into your life will not happen in Jesus' name. Rapidement, Proverbe 1:16 dit, car leurs pieds courent au mal. Proverbs 1:16 says, for their ils feet hâte run de verser to le evil sang. And make haste to shed blood. Romains 3:5 dit, leurs pieds sont rapides pour verser le sang. Romans 3 says that their feet are quick
to shed blood. Laisse-moi te dire que les pieds parlent. Allow me to say that legs speak. Les pieds s'expriment. Speak, legs express. Les pieds donnent des messages positifs ou négatifs. Legs carry positive or negative message. Proverbe 5 verset 5. Proverbs 5 verse 5. Ses pieds descendent vers la mort. Her feet go down to death. Ses pas atteignent le séjour des morts. Her steps take hold on hell. Ce sont les pieds qui attendaient Sapphira. These were the kind of legs that were waiting for Sapphira. Quel est le message que les gens apportent dans ta vie? What is the kind of message that people bring into your life? Quel est le message que toi tu apportes dans la vie des gens? What is the kind of message you bring into the life of people? C'est la mort ou la vie? Is it death or life? C'est le malheur ou le bonheur? Is it bad luck or good luck? Quel pied tu permets d'entrer tout le temps, de défiler dans ta maison? What legs do you allow every time to enter into your life and Quel dépôt ces pieds viennent déposer dans ta vie? What kind of deposit do these legs bring to deposit into your life? Quand j'avais mon magasin il y a longtemps. When I had my shop, it's been a long time. Ici à Beaubien. Just here at Beaubien. Ça fait longtemps. It's been a long time. Je ne connaissais pas tout ce que je connais dans le combat spirituel. I didn't know then everything I know now in spiritual warfare. Et il y a une femme que je connaissais très bien. There's a lady I knew very well. Je l'appelais Tantine. I was calling her auntie. Elle venait à la maison. She was coming into the house. Elle amenait les cadeaux à la maison. She brought gifts into the house. Elle était une Tantine. She was an auntie. Et un jour, elle vient dans mon magasin. And one day she came into my shop. Je ne sais pas si c'était la première ou la première fois qu'elle venait au magasin. I didn't know whether that was the first time she came into my shop. Mais je la vois marcher dans le magasin. But I saw her walking in the shop. Et il y avait un pasteur qui était dans le magasin. There was a pastor who was in the avec shop un autre at that pasteur. Time with another pastor. Et en même temps, je parlais avec elle, mais je parlais plus avec le pasteur. At the same time that I was talking to her, I was talking more to the pastor. J'ai dit, attends. I said, auntie, just wait, I'm going to finish here with the pastor. Quand le pasteur reste, je le vois qu'il la regarde. I see the pastor took a look at Et her. Je vois qu'il commence aussi à marcher partout. And he too began to walk around everywhere. Il vient me dire, tu connais cette femme? He came to ask me, do you know this lady? J'ai dit, oui, c'est ma tantine. I said, yes, she's my aunt. Il me dit, tu ne vois pas depuis comment elle marche dans les quatre coins he du said, magasin. Don't you see, since she came, she's been walking in the four dit, corners oui, of your shop. J'ai trouvé ça un peu bizarre, I mais said, bon. Yeah, I found peut-être a little elle regarde strange. Les marchandises. I said, well, maybe she's looking at the goods. Il dit non. He said no. Elle est en train de maudire ton magasin. She's cursing your shop. Yeah. What? Il dit oui. He said yes. Elle est en train de maudire ton magasin. She's cursing your shop. Wow. Il est parti vers la tantine en question. And he went towards this auntie in question. Et il lui a parlé. And he spoke to her. Il lui a dit ce qu'elle était en train de faire. And he told her exactly what she was doing. Ouais, pardon. Ok, laissez alors. She said, pardon. Oh, no, sorry. Oh, let it be. Elle est sortie, elle est partie. And she left, she went out. Je ne l'ai plus jamais revue dans ma vie. I've never seen her again in my life. Voilà des pieds que j'appelais Tantine. These were the legs J'ai même regretté I was calling les Tantines. J'ai dit, ouais, moi-même, mes propres temps, je ne les appelle pas Tantine. Je viens trouver n'importe qui, j'appelle Tantine. I regretted all of the Pour time me remercier I was calling de la respecter, auntie. Elle doit venir maudire mon magasin. For her to come into my shop to curse je ne l'ai me. Plus jamais. Je dis jusqu'aujourd'hui. Up till today, I have not seen her again. Je ne l'ai plus jamais I have revue. Never seen her les enfants again. Ne peuvent pas ça. Ils étaient tout petits. The children, they were still very young. Allons dans 1 Roi 14, verset 6. Let's go to 1 Kings 14, verse 6. Verset 1. En ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devient malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Va à Silo. Voici là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux, un vase de miel. Entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Et la femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo, entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Verset 6. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » 1 Kings 14, at that time, Abijah, the son of Jeroboam, fell sick, and Jeroboam said to his wife, Arise, I pray thee, and disguise thyself, that thou be not known to be the wife of Jeroboam, and go thee to Shiloh. Behold, there is Ahijah the prophet, which told me that I should be king over his people, and take with thee
10 loaves and cracknels and a cruse of honey and go to him. He shall tell thee what shall become of the child. And Jeroboam's wife did so and arose and went to Shiloh and came to the house of Ahijah. But Ahijah could not see, for his eyes were set by reason of his age. And the Lord said unto Ahijah, behold, the wife of Jeroboam cometh to ask a thing of thee for her son, for he is sick. Thus and thus shalt thou say unto her, for it shall be when she cometh in that she shall feign herself to be another woman. Amen. Amen. Écoute bien l'histoire. Listen very well to this Va story. Va et déguise-toi. Go and disguise yourself. Les gens viennent avec leurs pieds dans ta maison, ils sont déguisés. People come with their legs, with their feet into your house, ils entrent dans ta vie, mais ils sont déguisés. They enter your life, but they are disguised. L'image qu'ils te montrent, ce n'est pas ça. The image they are showing you, that's les apparences qu'ils te montrent, ce n'est pas ça. The appearance they are showing you, that's not the real thing. Et un jour, le Saint-Esprit te montrera. And one day, the Holy Spirit will reveal it to you. Déguise-toi, va chez le prophète. Disguise yourself, go to the prophet. Toi-même, tu dis prophète. You yourself, you say et prophet. Et tu dis déguisement. And you say disguise. Si c'est un vrai prophète, il va discerner. If he's a true prophet, he should be able to discern. Amen. Amen. Écoute bien, Dieu lui avait, Dieu avait dit. Listen very well. God said. Ne crois pas que quand il a confronté cette femme, c'est parce que il se souvenait de ce que Dieu lui avait dit. Non. Don't think that when he confronted this woman, he remembered what the Lord told him. Dieu a dit, elle va venir te consulter. God said, son fils est malade. Consult you, her son. Voici ce que tu vas lui dire. This is what you say to quand her. Elle va arriver, elle va se déguiser. When she comes, she will be disguised. Écoute bien ce que la Bible nous dit. Listen very well to what the Bible tells us. Le Ahijah, le prophète, ne pouvait pas voir, ne pouvait Ahijah, plus voir. The prophet couldn't see anymore. J'imagine qu'il était trop âgé. I can imagine he was very voilà, old. La Bible dit, il avait the les Bible yeux fixes says that he had his eyes par suite de vieillesse. Because his eyes were weak because of maintenant, old age. Comment est-ce qu'il reconnaît que c'est la femme de Jéroboam qui est entrée? How then was he able to recognize that this il was Jeroboam's wife that entered? He didn't see her. La Bible dit qu'il ne voyait plus. The Bible said she wasn't seeing. Il avait les yeux fixes. He had his eyes were weak. Deuxièmement. Secondly, il était un prophète. He was a prophet. Ce n'était pas la seule qui venait le consulter. She wasn't the first that was coming. Beaucoup de gens entraient et sortaient de cette maison-là. There were many people that were going in and out pour recevoir une parole. To receive a word. Pour venir le voir. To come and see comment him. De la multitude de gens qui entrent et qui sortent, quelqu'un qui ne voit pas, comment est-ce qu'il va reconnaître que c'est toi? How come multitude of people that were coming and going from that house, how will he recognize that it's you? Il entendit le bruit de ses pas. He heard the noise from her steps. Au moment où elle franchissait la porte. At the time she knocked at the door. Laisse-moi te dire ce matin que tes pieds ont une empreinte qui sont spécifiques à toi. I want to let you know that your legs, they have a print that is specific to you. Tes pieds servent aussi à ton identification. Your legs serve to identify you. Tes pieds parlent. Your legs speak. Il était le prophète. He was dans la journée, prophet. Il attendait. In the day, beaucoup he de was gens entraient. Many people were coming. Ils sortent. Ils disent non, ça c'est pas elle. Une autre personne vient. Il dit. Another one will come. Une autre personne. Another one will come. Mais quand ses pieds ont franchi la porte, but when her legs got il a reconnu l'empreinte de ses pieds. He recognized the print. Il a reconnu ce qui identifiait ses pieds. He recognized what identified her legs. Il a dit entre femme de Jéroboam, pourquoi tu perds ton temps à te déguiser? He said, enter wife of Jeroboam, why are you wasting your time to disguise yourself? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. I am charged to announce hard things to you. Troisièmement, tes pieds sont une arme de combat. Your legs are a weapon of warfare. Tu crois que quand Dieu a dit dans le livre de Genèse, you think when God said in Genesis, remplissez la terre, multiply, fill the assujettissez, earth, have dominion. Tes pieds sont une arme de combat. Your legs are a weapon of warfare. Quand Josué a vaincu les rois, when Joshua overcame the king. Il a dit, approchez-vous. He said, come il a appelé au chef des gens de guerre. He called the chiefs to il dit, come. Mettez vos pieds sur les coudes de ce roi-là. He said, put your legs over the shoulders of these kings. Et il mit les pieds. And they put their legs. C'est une arme des pieds, sont une arme de combat. The legs are a weapon of warfare. Troisièmement, Psaume 60, verset 10. Thirdly, Psalm 60, verse 10. Psaume 60, verset 10. Psalm 60, verse 10. Avec Dieu, nous ferons des exploits. With God, we'll do exploits. Il écrasera nos ennemis. He will crush our enemies. Tes pieds servent de prise de possession. Okay. Pour marquer ton territoire. It says, will thou not, O God, which has cast you already said it. I'm just continuing. Tu as déjà dit. Okay. C'était un seul petit verset. C'est pas long.
Okay. Tes pieds te permettent de prendre possession d'un territoire. Your legs allow you to take possession of a territory. Pour marquer ton environnement. To mark your environment. Pour marquer ton territoire. To mark your territory. C'est pourquoi il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. That's why he told Joshua, wherever your feet will touch, I will give you as a possession. C'est-à-dire que physiquement, tu dois marcher quand tu arrives dans une nouvelle maison. So physically, you have to walk when you go somewhere in dans a new une chambre d'hôtel. In a hotel room. Tu marches et tu prends possession you du lieu. You have to walk around and you take possession à of ton travail, tu marches, tu prends possession de ton travail. In your work, you in your place of work, walk around and take possession of your job. Que tu établisses ton règne dans ce lieu-là. You have to establish your reign in that place. Et que le monde des ténèbres sache que ce lieu-là dorénavant t'appartient. And let the kingdom of darkness know that this place belongs to you. Et que s'il y avait toute alliance avec ceux qui ont habité, qui sont venus dans ce lieu-là et qui ont fait des choses, que ces alliances-là qu'ils ont fait soient brisées. So if there was a covenant between people that were there before with the kingdom of darkness, let that covenant be broken. Apprends à parler là où tu marches. Learn to speak where you walk. Quand tu vas au bureau d'immigration, tu as interviewé le jour-là. Anne, prends possession de ce lieu. When you go into the immigration office and you have been scheduled for a hearing, take possession. Prends possession de ce lieu. Take possession of that place. Quand tu vas à un nouveau travail, prends possession de ce when lieu. You have a new job and you go there, take possession c'est ce of that place. C'est ce que l'ennemi fait aussi. That's what the enemy does elle est entrée too. Dans mon magasin, elle faisait les quatre coins, elle prenait possession. She entered my shop. Elle libérait ses démons, elle libérait je ne sais pas quoi dans mon magasin. Demons and she was walking on the four corners. That was what she was doing in my shop. Mais malheureusement pour elle, tous les matins quand je venais, je priais d'abord aussi pour mon magasin. But unfortunately for her, every morning when I come, I pray. First thing I pray for my shop. Donc Esaïe 23 dit, parcours librement ton pays, fille de Sion. Il dit parcours librement. Donc marche librement. We need to walk freely. Tu es au Canada, Dieu t'a donné le Canada. Marche librement. We are in Canada, God has given you Canada. Walk freely. Il dit qu'il n'y aura plus de joug. There should be no yoke. There donc will no longer be any yoke. Les pieds te servent d'instrument de prise de possession. Your legs are serving as an instrument to take possession. Il y a des moments Jésus lui-même physiquement devait aller dans un lieu. Il devait dire non, Seigneur, dis seulement une parole. Il dit non, 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 je viens. There were times, even in the ministry of Jesus, he had to physically go to a location. When the man said, Lord, just release the word, he said, no, I have to physically go there. Il y a des moments où lui-même, il faut qu'il entre dans cette maison-là. There were times he had to go, he had to enter that house. Pour imprimer de ses pieds. To make a footprint, to leave a footprint. De cette personne, ce qu'il avait. To leave a carbon print, a footprint. Il y a des moments, tes pieds doivent t'amener dans le lieu de combat. There are times your legs should take you into the place of battle. Je me souviens d'une femme de Dieu. I remember a woman of God. Elle est retournée en Afrique. She's gone back to Africa. Et elle travaillait dans une structure du gouvernement que je ne vais pas nommer. She was working in one of the government agencies that I will not be able to name. Elle a pris une mise en disponibilité. Elle a suivi son mari en Europe. She followed her husband to Europe. Et pendant 25 ans, and for 25 years, elle a laissé son poste. She left her job. Maintenant, le mari est arrivé en retraite. Now her husband is on retirement. Elle dit maintenant, je vais rentrer au pays. She said, I want to go back home. Elle m'a dit qu'elle rentrait. She said she went elle m'a dit, home. Mais je vais d'abord aller voir pour récupérer mon ancien poste parce que j'avais juste pris mise en disponibilité. So she said, I want to just come back and see if I could get back my job because I just said I wasn't available. Alors elle est rentrée. She came back. On lui a dit non, madame. They said no, madame. Tu dois entrer dans la franc-maçonnerie. Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. You have to enter tu into dois entrer free, dans les sciences occultes. Into Freemasons, c'est into comme ça, occultic ou ça science. Ou rien. You have to do that tu or n'auras not. Pas ton poste. You will no longer have elle your a post. Fait toutes sortes she de démarches. Did everything, all actions. Rien. Nothing worked. Et je l'appelle. I called her. Mais comment ça se passe? I said, how is elle it going? Dit, le combat she est said, intense. The battle is intense. Elle me dit, je vais bientôt rentrer parce que she je said, n'arrive pas. I'm just going to come back because I'm ils not m'ont dit able. D'entrer dans les sciences occultes, they mais je n'entre me to pas. Get into occultic science. I said no. Je lui dis, mais depuis que tu es arrivé, est-ce que tu as pris possession du territoire? I said, but since you got there, did you take possession of the territory? Elle me dit, ça veut dire quoi? She said, what does je that mean? Mais non. I said, okay. Faut que tu marches. You have to walk. Va devant ton ministère là. Go before the ministry. Fais le tour, marche. Make a walk around it. Oint tes pieds avant de partir. Anoint your legs before marche going et tu there. Déclares la parole. Walk around and begin to declare. Tu marches word, dans la ville. Walk in the city. Tu commandes à la ville de ne you pas te rejeter. Command the city not to tu commandes à la ville de ne pas te rejeter. You have to command the city not to reject elle me dit ça existe. And she said, does that elle exist? Oui. I said yes. Lis Deutéronome, lis Lévitique. Read Deuteronomy and Leviticus. Il parle du pays qui peut vous vomir. It speaks about the country that can vomit you. Elle me dit c'est pas possible. She said, tout ce que tu me dis possible. Je n'ai jamais entendu. Everything that you're talking to me, I've not heard it before. Elle est allée pratiquer. She went and practiced le matin. It.
Elle faisait le tour. She'll go there, she'll walk elle around. Prie. She'll pray. La nuit, elle va être prie. In the night, she'll go around elle and walk. Prie, elle prie. She'll pray, pray, pray. Au bout de, je même pas une semaine. Not even 1 week. On l'a appelée. They called her. Viens prendre ton poste. Come and take your job back. Non seulement on lui a redonné le poste qu'elle a laissé depuis 25 ans. Not just that they gave her the job she left 25 years ago. On lui a dit en 25 ans il y a eu des promotions. They said in 25 years there were promotions. Voilà ta promotion que si tu étais resté 25 ans, c'est ce nouveau poste que tu devais occuper. This is your promotion that if you have stayed 25 years, this is your new position. Voilà tout ton salaire depuis 25 ans. This is all of your salary since 25 years. On te le donne. We are giving it to you. Elle m'a appelé, elle me dit vraiment. She called me. J'étais pasteur. Pasteur Mira, ce que tu me dis me dépasse. She said, what you told me, I'm voilà, overwhelmed. Voilà, Papa I am overwhelmed. C'est vrai Papa ou c'est John faux? Is my weakness. Dis oui, parce que quand tu fais comme ça, il y en a qui ne te voient pas. Voilà, dis oui, c'est vrai. Yes, Papa John confirmed he's a weakness. Papa, pourquoi que je suis menteuse? I don't want people to think I'm a liar. He il was assistait aux conversations. Il he connaît très bien la sœur. He was there in the conversation. He knows very well this sister. Elle me dit, c'est quand tu m'as dit, je vais prêcher ça à tout me, le monde. I will preach it je to ne savais everyone. Pas que c'est comme ça. I didn't know it's like that. Je n'ai rien dit. I didn't say anything. Elle m'a compris que mon silence voulait dire, donne aussi ma part. She understood that my silence meant okay. Il y a just un silence de quelques part. Minutes. There's a silence of a après few minutes. Après le silence, elle a dit, Pasteur Mireille, je vais envoyer ta page. C'est comme ça. On parle bien that maintenant. That silence of a few minutes, minutes she herself said, Pasteur Mireille, tu I'll say le travail, part. Les gens sont bénis, c'est pour t'insulter. I said, that when you finish work, some people just insult you and go, but she said, I'll send your part. Il y a un petit silence là, je disais que mais. There was a little silence, I was like, okay. Elle m'a dit, non, Pasteur, je vais envoyer ta page. She said, Pasteur, I'm going to send your part. Là, c'était sucré maintenant. Now it was sweet. Que Dieu te bénisse. Let God bless you. Après, elle m'a envoyé ma part. Later, she sent my elle part. Était contente, moi aussi, j'étais contente. She was happy, I was happy. Amen. Amen. Pour prendre possession. Take possession. Du pays. Of the nation. Du territoire. Your territory. Commande au pays de ne pas te rejeter. Command the nation not to reject you. Commande au pays de ne pas te vomir. Command the nation not to vomit you. Est-ce que je prêche en deux parties, mais commande au pays de t'accepter. Command the country to accept you. C'est Lévitique qui le dit, Lévitique 25. Leviticus 25 tells us that. Moi, quand je lis la Bible, je cherche les petites, je cherche les choses que les autres ne voient pas. When I read the Bible, I look for very tiny things that some people may not even see. Je cherche, cherche. I look. Lévitique 25 ou combien? Leviticus 25. Attends, 25, c'est lequel, quel verset? En tout cas. C'est quelque part dans Lévitique. It's somewhere in Leviticus. Attends, je vais le trouver. Parle au pays. Speak to the nation. N'attends pas seulement le jour où l'immigration va dire que parle au pays. Don't wait for the day immigration will tell you something. Si j'ai foulé, tu ne me retourneras pas en arrière. You have where my feet have touched. You're not going to send me back. Lévitique 18, 25. Leviticus 18, 25. Il dit que le pays vomira ses habitants. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. And the land is defiled, therefore I do visit. Si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient là avant vous. You shall therefore keep my. Okay. Elle a prié avec ces versets-ci. She prayed with this verse. Et Dieu lui a donné la victoire. And the land itself vomited out her inhabitants. Amen. And God gave her victory. Rapidement, allons voir l'état des pieds. Quickly, we're going to look at the state of the feet. On va pas lire 1 Roi 15, 23. Les pieds peuvent être malades. 1 Kings 15, 23. The legs can be sick. Psaume 15, 7. Les pieds peuvent être chancelants. The legs can be shaky. Les pieds peuvent être agiles. The legs could be agile. Les pieds peuvent être mis dans les chaînes. Legs could be put in the chain. Les pieds peuvent être mis dans les cèpes, comme Job a dit. The legs could be put les in pieds peuvent être infirmes. The legs could be infirmed. Les pieds peuvent être coupés. The legs could be cut. Les pieds peuvent être nus. The legs could be bare. Enflés. Inflamed, swollen, yeah, inflamed. Brûlé, legs could be burnt, fixé, legs could be fixed dans les bois, in a stick. Les pieds peuvent être maudits, legs could be cursed. Les pieds peuvent être ensorcelés, legs could be bewitched. Les pieds peuvent être envoûtés, legs could be quand Job dit pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes. Job said, why put my legs in a cep? Les cèpes, c'était un morceau de bois comme ça. Cep was a piece of wood like this. Avec deux trous, des fois trois. With two or three holes on it. On mettait les pieds du prisonnier. They put the legs of the prisoner. On le faisait asseoir où il était couché. They would make him sit down or lie down. Et on le torturait avec ça. And they would torture him with that. Des fois, ils écartaient les pieds, faisaient comme ça pour plus de douleur. Sometimes they would
set it up in a way that it could cause a lot of pain. Des fois tu es là mais tes pieds sont enchaînés, sometimes your legs are chained, your legs are cursed, your legs are bewitched. Quelles sont les armes utilisées contre les pieds? What are the arms that are used against the feet? Il y a les pièges. There are traps. Jérémie 18, 22. Jeremiah 18, 22. Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi pour parler à leur faveur. Verset 22. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Let a cry be heard from their houses when thou shalt bring a troop suddenly upon them, for they have digged a pit to take me and hide, and hid snares for my feet. Okay, c'est bon. En anglais directement, snare c'est piège, hein? C'est pas filet. Okay, en anglais direct, il dit snare. J'aime. En tout cas, hier je suis allé à la librairie chrétienne, j'ai acheté deux bibles en anglais. Yesterday I went to the Christian Bible. I bought two English Bibles. Parce que des fois l'anglais sometimes dit souvent English exactement le terme exactly qu'on veut. The way we want. Moi, pour comprendre que c'était piège, je suis allé chercher dans les traductions. I had to go look at the Une traduction va dire, ils ont tendu des pièges pour mes pieds. It says they put traps for my feet. But English, en français, ils vont dire net, les filets, mais alors que c'est piège en fait. In English, it talks about net. In French, it says filet, which is net, but it's actually traps, which could also mean snares. Toujours dans Lamentation, Jérémie dit, il a tendu un filet sous mes pieds. That they have put nets on my feet. Écoute bien, il m'a fait retourner en arrière. They made me go backward. Et il m'a livré à la dévastation. And they set me up for devastation. Quand on enchaîne tes pieds. When they chain your feet. Quand on met les filets sous tes pieds. When they put a net on your feet. Spiritually. C'est pourquoi tu retournes en arrière. It is so that you should go behind. Parce que quand tes pieds sont enchaînés. Because when your legs are chained. Tu peux avancer mais jusqu'au cadrage où tu es. You can go a little bit ahead, but just you're limited quand in how far avancer, you can go forward. Progresser, when you want to go forward to progress, le filet, they drag on the net, et tu retournes en and arrière. You go backward. Élève encore ta voix ce matin. Lift up your voice again déclare this que tout morning filet qui a été mis sous mes pieds, and say every net that has been tout put on qui a my été leg, mis sous mes pieds, every snare that has been put soit on my détruit leg, au nom let de Jésus. It be destroyed in the name of Jesus. Soit détruit au nom let de Jésus. It be destroyed in the name of j'ai Jesus. Dit, soit détruit I say au let nom it be destroyed in Jesus' name. Amen. Amen. Sur les pieds des gens aussi, il y a des choses qu'ils peuvent mettre. On the legs of some people, there are some things that could be put there. On peut mettre des charmes sur les pieds. They could put charms on their legs. On peut mettre des fétiches sur les pieds. They could put fetish things on their legs. Et quand cette personne vient marcher dans ta maison, and when this kind of person comes into your house, quand cette personne vient marcher dans ta vie, when this person comes into your life, et il y a un dépôt qui est fait. There is a deposit that they leave behind. Je ne sais pas, ce n'est pas Matthieu qui le dit. Est-ce que c'est Luc? Souvenez-vous, il dit que quand tu vas remember, entrer dans une ville in a city, et qu'on ne vous, recevra, and qu'on they ne don't vous receive reçoit you, pas, and they don't receive you, je suis dans Matthieu, mais Matthieu, I am in Matthew, mais Matthieu ne dit pas exactement ce que Matthew je veux doesn't avoir. Say exactly what I want to see. Matthieu dit, secouez, sortez de cette maison et de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Shake off the dust from your feet. Ok, je vais voir ce que Marc dit. Marc, quelque part au Matthew. Chapitre. Marc. Papa, j'en trouve moi la même chose dans Marc ou dans Luc. Il y a quelque chose qui est différent un peu. Secouez la poussière de vos pieds. Ce ne sera pas long. Est-ce que c'est Luc 12? On va chercher dans Luc 12. Luc 12. Qu'est-ce que Marc 6, 11 dit? Marc 6, 11. Regardez aussi dans Luc. Il y a un qui est différent un peu. Marc 6, 11. Secouez la poussière de vos pieds. C'est la même chose. Ok, allons chercher dans Luc. Marc et Matthieu disent la même chose. Allons chercher dans Luc. C'est dans Luc combien? Ok, Luc 10, 11. Ok, 10, 11.
Ah, ok, c'est bon. C'est ça que je voulais. Écoute maintenant ce que Luc 10, 11 dit. Listen to what Luke 10, 11 says. Dans quelle ville que vous entrez, si l'on ne vous reçoit pas, even in every city that you go into, allez dans les rues et dites. And they receive you not. Écoute bien. Go your nous ways. Secouons contre vous. Even the very please, sois plus vivante. Nous secouons contre vous, verset 11. Even the very dust of your city, which cleaved on us. That's what verse 11 okay. says in English. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos. Even the very dust of your city, which cleaved on us, we do wipe off against you. Tu comprends qu'il y a des choses qui s'attachent dans les pieds des gens, n'est-ce pas? You know there are some things that attach to the feet of some people. Il y a des gens vont entrer dans ta maison, dans ta vie, mais ils ont des choses qui sont attachées spirituellement sur leurs pieds. Or into your home, dès qu'ils mettent pied dans ta maison, when they put their feet in your ton mari house, devient bizarre. Your husband becomes ta femme else. Devient bizarre. Your husband becomes, les your combats arrivent, bizarre. Les disputes, battle become, les enfants bizarres, children become les bizarre. Échecs commencent, failure les becomes, problèmes de toutes sortes commencent. All kinds of problems will begin. Parce qu'ils sont entrés chez toi avec les pieds déjà préparés. Because they entered your life with feet that carried some kinds of things. Amen. Amen. On va se lever ce matin, on va prier. We are going to rise up this morning, we are going to pray. Tu vas dire, Seigneur, you're going to say, Lord, ce matin, this morning, je te présente mes pieds. I present my legs. Lord, this morning, I vous present voulez pas prier, my legs. Moi, je m'assois, moi, je n'ai pas de problème, moi, je connais tout ce que vous avez prêché. Vous ne voulez pas prier? Vous ne voulez pas prier? You don't want to pray? Seigneur, ce matin, Lord, this morning, je te présente mes pieds. I present my legs. Bénis-les. Bless them. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Si mes pieds, if my legs, ont touché toutes choses, have touched all things, tout fétiche, all fetish, tout piège de l'ennemi, every trap of the enemy, tout ce qu'on a déposé, everything that have been deposited, et je suis venu marcher par hasard, and I have come to walk on them accidentally. Voilà, j'ai oublié de dire, c'est que tes pieds c'est une porte d'entrée dans ta vie. I forgot to say that your legs are a door of entrance into your life. Il y a des organes dans la vie, dans le corps qui sont des portes d'entrée, il y en a qui ne le sont pas. There are organs on your body that are entrance, they are doors. There's some other les organs. Les mains sont are des not. Portes d'entrée. Your hands are entrance ways. Les pieds sont des portes d'entrée. Your legs are doors. Tu peux piétiner quelque chose. You could step on something. Ça entre. And it will enter. La tête c'est une porte d'entrée. Your head is an entry port. Fais attention de pas donner ta tête à n'importe qui. Be very careful not to give your head at whosoever. Tes yeux sont des portes d'entrée. Your eyes are entry ports. Il y a des démons qui entreront dans ta vie. À cause de ce que tu as regardé. There are demons that enter into your life because of what you looked at. Il y avait un petit enfant de 7 ans demain, je suivais dans les nouvelles. There was a little child of about 7 years I was watching in the news. 7 ans, il est addict à la pornographie. At 7 years the child is already addicted to pornography. Pourquoi? Why? Il passait son temps tout le temps sur leurs ordinateurs, sur leurs téléphones. Because they spend all of the time on the computer, on the phone. Ils savent quand nos enfants sont connectés. They know when our children are connected. Et il y avait les images pornographiques. And there were qui pornographic images that were being flashed et on the screen. Touchait. And the child would touch on this. Et dans un monde de pornographie. And it would bring him into a world of pornography. C'est comme ça que ce démon là est entré à travers ses yeux. That's how this demon entered the child through the eyes. Dès qu'il se lève le matin. 7 years when he wake up in the morning. Il est devant les ordinateurs pour regarder la pornographie. He's already before the computer to watch pornography. Parce que les yeux. Because the eyes. C'est une porte d'entrée. Is an entry port. Parents, faites attention à ce que vos enfants regardent. Parents, be careful. Watch what your children are même watching. Même les dessins animés. Even design images. Non, cartoons. Cartoons. Il faut regarder avec eux. You could watch them with them. Quand les enfants étaient plus jeunes, on prenait le temps. When the children were younger, je connaissais we took tous time. Les dessins animés. I knew all of their cartoons. Et on avait notre poubelle. We had our ça, c'est pas de Dieu. Bin. This one ça, is, c'est pas de Dieu. This is not for God. Ok, maman peut regarder ça. Mama, can we look at this? Ça, c'est un peu suspect. I'll say, well, I'm suspicious of this. Non, ça, c'est bon. This is good. Ça, c'est pas bon. This is not et en good. Faisant les recherches, and doing more j'ai research, réalisé que la plupart des dessins animés que nos enfants regardent viennent du monde occultiste. I realized that most of the cartoons that our children watch coming from the occultic je world. Je me disais, non, les schtroumpfs sont innocents. Les I was like, oh, no. Les schtroumpfs, quoi, là? C'est oh, le those things were innocent. Oh, quand j'ai su ce que les schtroumpfs représentent, when I knew what those things quand j'ai compris le monde de Disney, when I understood the world of Disney, beaucoup se cachent derrière ces choses-là. Many are hiding behind those things. Et c'est des points de contact and avec les yeux de nos enfants. Contacts, points of entry ports. Même au Japon, je me rappelle dernièrement. Children, Japan, c'est passé I même dans les journaux. It was even in the news. Il y a un dessin animé qui est sorti.
Quand les enfants regardaient, ils s'évanouissaient. Ils tombaient en syncope. Les ambulances ont amené les enfants à l'hôpital. When children watch the cartoon, they would pass out. An ambulance would have on to ne come and pick pas. Them up. Les understand. Enfants ont témoigné. Children testified. Qu'ils ont vu des gens. Ils disent, ils disent le dessin animé là. They est said, sorti de l'écran, a marché sur, est entré dans la maison, a marché sur. Donc, c'était des vrais démons. Demons were coming out from the screen and were walking in the house. They c'était were real des demons. Vrais. Et ils avaient des hallucinations. They had hallucinations. C'est dans les journaux. It was there in the news. C'est nous qui avons la parole qu'on pouvait it comprendre. It is we that have the word that we que les to enfants understand. Étaient que c'était les c'est les vrais démons. That these were true demons. Les pieds aussi c'est des points de contact. The legs are entry ports. Enlève tes chaussures. Lift your shoes. Take off your si shoes. Si tes chaussettes ont des trous, ne sois pas gêné, c'est pas grave. C'est toi seul qui connais. Take off your shoes. Et si on voulait prier pour lui, on lui a dit enlève les chaussures, il ne veut pas. Quand il a enlevé, j'ai vu deux petits trous, j'ai compris, j'ai dit c'est pas grave. Toi-même, viens prendre. Donc chacun prend pour lui. Let everyone come and take. Va oindre tes pieds. Anoint your legs. On va parler. And we're going to speak. La malédiction des pieds maudits, là, ça prend fin aujourd'hui. That curse on your legs. Tu as marché, ils ont récupéré la poussière de tes pieds pour faire la sorcellerie. Tu es là aujourd'hui, ta vie n'avance pas. You're here, your life doesn't move forward. Tu ne sais pas pourquoi. You don't know why. Tu as marché quelque part. You walk somewhere. Mettez comme ça pour que voilà. On est venu récupérer l'empreinte. They came and took your footprint. Back to sender ce matin. Back to sender. On les envoie ça par DHL, donc ça va arriver rapidement. We are rapidement. Sending it back to sender by DHL. Voilà. Préparez-vous, on va prier. Prepare yourselves, we're going to pray. Enlevez vos chaussettes. Take off your socks. Take off your socks. Mami, où ça piquine? Où ça piquine? Bring piquine. Mettez comme ça. Merci beaucoup. Put it on the plants of your feet. On the soles of your feet. Prophétiquement. And you're going to decree prophetically. Put it on the soles of your feet and decree. On the soles of your feet. The soles. Okay, you see. Tu enlèves tes chaussettes, non? Voilà. Okay. Et dis ça va. Et dis ça va, voilà, t'as pas. Même les bébés, là, ils ont leurs problèmes. Toi, tu sais pas, la nuit, ils rêvent comme on arrache son biberon. Toi, tu es là le jour, tu connais pas les... toute la nuit, il a lutté pour poursuivre ceux qui prenaient son biberon. Voilà, c'est fini. Alex, tu sais qu'on a dû arracher ton biberon quelque part. Chacun a ses problèmes ici. C'est sérieux, hein? Et à un moment donné, at a given time, j'ai commencé à avoir les combats. I began to have battle. Et je peux me souvenir quand est-ce que ce combat-là a commencé. And I can remember when the battle started. J'avais fait un voyage missionnaire I went on a missionary trip dans une église. In a church. Et après ça, j'étais, after c'était that, bizarre. It was, j'étais yadonné. Okay. J'ai commencé à faire des mauvais rêves. I began to have bad dreams. Mon chéri Coco. J'ai commencé à faire de très mauvais rêves. I started having bad dreams. Je ne comprenais pas. I was not understanding. C'était seulement que, mais depuis que je suis passée dans cette église-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. And I said, since I went to that church, I don't know what happened. Ça prend un autre homme de Dieu.
is after a man qui of me God, dit, je vois souvent que tu fais beaucoup de mauvais rêves. And I see that you always have bad dreams. Mais ça a commencé quand tu allais prêcher quelque part. It started when you went to preach somewhere. Là où tu t'es tenu, ce n'était pas bien. Where you stepped, it was not good. Et c'est là où tu as eu cette attaque, tu commençais à faire les mauvais rêves. And that's where you had the attack to start having bad dreams. Mes pieds ont mis a été en contact avec un lieu qui n'était pas bien. My feet were in contact with a place that was not good. Allez maintenant. Now. Élève ta voix. Lift up your voice. Et déclare. And declare. Par l'onction du Saint-Esprit. By the anointing of the Holy Spirit. Par l'onction du Saint-Esprit. By the anointing of the Holy Spirit. Je brise tout joug. I break every yoke. Sur mes pieds. On my feet. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Vous me voyez si je suis assise. Do you see me if I'm par l'onction du Saint-Esprit. By the anointing of the Holy Spirit. Tout joug de sorcellerie. Every yoke of sorcery. Allez, parle, tout charme. Tout ce que j'ai touché qui est entré dans ma vie, qui est entré en contact dans ma vie, qui a ouvert la porte aux problèmes, aux infirmités, à la maladie, à la stérilité, au célibat prolongé, toute sorcellerie qui a été prévue, sur laquelle j'ai marché. Élève ta voix maintenant, soit écrasé, soit détruit. Je libère le feu sur mes pieds. Je libère le feu. Je détruis toute sorcellerie. Je détruis tout charme. Je détruis toute maladie. Tout point de contact démoniaque qui a mené la maladie, qui a mené le célibat, qui fait que je suis au Canada, mais le Canada ne m'accepte pas. Mes pieds ont touché le Canada. Ce n'est que les problèmes partout. Ce n'est que la malédiction partout. Soit brisée aujourd'hui. Toute malédiction sur mes pieds que les gens ont envoyé soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction sur les pieds de mes enfants qui est entrée dans la vie de mes enfants parce qu'ils ont marché sur la sorcellerie soit brisée, soit détruite. Je libère le feu. Là où la sorcellerie s'est attachée à mes pieds, je brise tout point de contact au nom de Jésus. Là on utilise mes pieds dans le monde mystique, là où mes pieds marchent en vain, oh, là où je marche comme une folle, je brise cette malédiction sur mes pieds ce matin par la puissance de l'onction, par le joug de la sorcellerie, du retard, du retard, de la rétrogradation qui fait que je retourne en arrière parce que mes pieds sont enchaînés, soit brisé. Élève ta voix, prends l'épée maintenant. Je prends l'épée, prends l'épée. Je prends l'épée, lève les pieds, je coupe les chaînes, je coupe les chaînes, je coupe les chaînes, je coupe les filets qui sont sur mes pieds, je déchire les chaînes, je déchire les filets, je casse les pièges, vas-y, tout piège qui s'est attaché à mes pieds, soit cassé, soit brisé, toute poussière démoniaque sur laquelle j'ai marché, je libère le feu, je libère l'épée. Allez, vas-y, sur les pieds de tes enfants, coupe les pièges. Coupe, 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 coupe les filets. Fais comme prophète Joshua. Coupe, 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 coupe. Toute chaîne satanique, tout filet, tout cèpe, là où on a emprisonné mes pieds, je déchire que mes pieds sortent. Let my feet come out de la captivité. From captivity. Que mes pieds sortent. Let my feet come out de la captivité. From captivity. Élève ta voix. Lift up your dis, Seigneur, ta parole déclare. Say, Lord, your word declares. Tu gardes les pieds de tes saints. You keep the feet of your saints. Oh Dieu. Oh Lord. Garde mes pieds ce matin. Keep my feet this morning. Garde mes pieds ce matin. Keep my feet this morning. Au nom de Jésus. In Jesus name. Ta parole déclare. Your word declares. À ma droite s'élève une jeune génération. A young generation. Il pousse mes pieds. I push my legs. Et il prépare contre moi des chemins de malheur. And he prepares against déclare the ce matin. Declare this morning. Je détourne que mes pieds soient détournés. I pray that my feet will de tout chemin de malheur. Everywhere au nom de Jesus. Jesus. Tout mauvais chemin every evil qui a été prévu pour que mes enfants tombent. Pour que je tombe. Je déclare ce matin que Seigneur, tu détournes mes pieds de ces mauvais chemins au nom de Jésus. Que les nations tombent dans la fosse qu'ils ont prévue pour mes pieds. Qu'ils soient pris dans le filet. Qu'ils soient tendus pour mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix encore. Dis Seigneur ce matin. Ta parole déclare que des chiens m'ont environné. That the chains
Les chiens m'ont environné. Dogs have surrounded me. Une bande de méchants m'ont entouré. They have surrounded me. Ils ont percé mes mains et mes pieds. They have burst my hands and my feet. Seigneur, restaure ce matin. Lord, restore this morning. Tout trou dans mes pieds. Every hole in my leg. Soit fermé. Let it be stopped. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Là, ils ont percé les pieds de mes enfants. Wherever they have pierced, je ferme ces trous-là. I lock the holes. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Là, mes pieds ont été percés. Where my legs have been pierced. Je ferme ces pieds. I lock par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Ta parole déclare. Your word declares. Tu m'as fait monter. You made me to climb. Hors de la fosse de la destruction. Out of the pit of destruction. Hors du vase et du bourbier. Out of the vase. Oh, tu m'as fait monter. You have to make déclare me to je sors. Say I'm coming out. Mes pieds sortent. My legs are coming de la destruction. From destruction. De la fosse de malheur. From the stress mes of pieds sortent. My feet are de la fosse out. De stérilité. From the fosse of mes pieds sortent. My feet are de la fosse out. De pauvreté. From the fosse of poverty. Mes pieds sortent. My feet are de la fosse de rétrogradation. From the fosse of retrogradation. Mes pieds sortent. My feet are de la fosse de malheur. From the fosse de la fosse de retard. From the de la fosse du manque de progrès. From the oh, mes pieds progress. Sortent. De la fosse de l'échec. De la fosse du manque de productivité. Au nom de Jésus. Mes pieds sortent. De la fosse de la mort. De la fosse de la mort prématurée. Mes pieds sortent. Du bourbier de la mort. Du bourbier de l'échec. Mes pieds sortent. Au nom de Jésus. Ésaïe 37, 25 qui déclare. Isaiah 27 says. J'ai asséché. I've made dried tous les canaux de l'Égypte. All the canals of Egypt. Avec la plante de mes pieds. With the plant of my feet. Déclare maintenant avec la plante de mes pieds. Declare with the sole of my feet. Que tout fleuve démoniaque. Let every demonic que river. Que tout canal démoniaque. Let every demonic river. Que toute rivière démoniaque. Let every demonic river. Dans laquelle j'étais embourbé. In which I was engulfed. Par la plante de mes pieds ce matin. Je commande à ces eaux de sécher. Que le tourbillon de malheur sèche au nom de Jésus. Que le tourbillon de célibat sèche au nom de Jésus. Élève ta voix sur tous les domaines de ta vie. Que le tourbillon des disputes sèche. Que le tourbillon immigration Canada sèche au nom de Jésus. Je pose la plante de mes pieds. Que le tourbillon de l'échec. De l'échec au sein des miracles sèche. Que le tourbillon des fausses accusations sèche. Que le fleuve du malheur sèche. Que le fleuve des mauvaises langues sèche au nom de Jésus. Que le fleuve d'échec au sein des miracles sèche au nom de Jésus. Que le fleuve de malheur sèche au nom de Jésus. Que le fleuve d'incompréhension sèche au nom de Jésus. Riba baba baba shekete. La Bible déclare dans Malachie 3 verset 21. In Malachi 3 verse 21. Vous foulerez aux pieds les méchants. That you shall step on the wicked. Et ils seront la cendre sous vos pieds. And they shall be cendre. Et lève-toi maintenant et dis je foule les activités de la méchanceté. I crush the words. Toutes les méchancetés de ma famille. Toutes les méchancetés à mon travail. Je vous écrase ce matin au nom de Jésus. Toutes les méchancetés dans mon université. In my university. À l'école. Dans ma famille, toutes les méchancetés de la maison de mon père, je vous écrase. De la maison de ma mère, toutes les méchancetés de mon environnement, je vous écrase. Toutes les méchancetés ancestrales, familiales, générationnelles, toutes les méchancetés de mon environnement, de mon église, je vous écrase. Je vous écrase. Dans mon dossier d'immigration, je fous la méchanceté. L'onction de Dieu est là ce matin. The anointing of God is there. L'onction de Dieu est là. The anointing of God is pour te donner la victoire. To give you victory. Pour te donner la victoire. To give you victory. Zacharie 10 verset 5. Zachariah chapter 7 verse 5. Ils seront comme des héros. They shall be like heroes. Foulant dans la bataille. That are going to battle. La boue des rues. And like the end of the streets. La boue des rues, de mud. Like mud on the streets. Ils combattront. They shall fight. Dieu dit que tu combattras. God said you shall fight. Parce que l'Éternel sera avec toi. Because the Lord shall be with you. Il dit que tu seras comme un héros. You'll be like a hero. Tu vas fouler dans la bataille. You are going to kick in the mud. La boue des rues. And the mud of tu the. Tu combattras. You shall fight. Parce que l'Éternel est avec toi. Because the Lord is with you. Pendant que l'équipe de louange va s'avancer. Meanwhile, que tu marches. I want you to walk et tu prononces des cris de victoire and avec tes pieds. Tu prophétises les bonnes choses. You prophesy good things. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Allez, marche maintenant et prophétise ce que tu walk veux. And prophesy what you want. Tes pieds ont foulé le Canada. Prophétise que tu réussiras dans ce pays. The sole of your feet have touched Canada. Prophétise. Prophesy what you want. Amen.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Et il a mes pieds. Il a mes pieds. Oh, semblable à ceux des bicheux. Il me fait marcher, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Il a mes pieds, il me fait marcher, je marche, je marche dans la victoire, je marche dans la réussite. L'éternel est ma force. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il a mes pieds, il a mes pieds, semblable à ses débouchés. Je marche, il me fait marcher. Je marche sur la réussite, je marche sur l'argent, je marche sur le bonheur. L'éternel est ma force. Je marche sur le mariage. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les pieds élevés. L'éternel est ma force. Chante alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Celui qui m'a béni. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. On va porter nos dîmes et nos offrandes. We are going to give our tithes and offerings. Si tu as l'autel que tu as promis aux serviteurs de Dieu. If you have an altar